Bienvenue pour ce Windev Tech Tour 2024. C'est Caro et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle édition. J'ai le privilège cette année encore de partager ce moment avec mes experts préférés, les amoureux inconditionnels de Windev, Webdev et Windev Mobile. Vous les connaissez tous, c'est Marc et Manu. Bonjour à tous, bah moi c'est Marc, je suis très content de vous accompagner tout au long de cette présentation technique. Bonjour à tous, moi c'est Manu et moi aussi je suis très content de vous présenter cette nouvelle édition du WinDev Tech Tour. Alors cette édition elle sera composée de trois workshops d'une heure chacun sur trois jours consécutifs. Chacun d'entre eux commencera comme aujourd'hui à 14h heure de Paris. Alors comme vous le savez tous hein, la technologie elle évolue très rapidement. Au fur et à mesure que la technologie progresse, WinDev progresse avec vous. Et c'est à travers cette présentation technique qu'on va vous présenter euh, sur des exemples concrets. Les nouvelles technologies de la version 2024 de Windev, Webdev et Windev Mobile. Windev, c'est aujourd'hui bien plus qu'un outil de développement. C'est un outil qui donne à chacun le pouvoir de créer et de libérer son potentiel. Avec Windev, vous remplissez vos objectifs et vous accomplissez vos missions plus rapidement. Et le temps, c'est une valeur rare. Bien sûr, nous sommes là pour vous accompagner et soutenir votre quotidien. Allez, Manu, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ces workshops eh ben, on va voir plein de sujets divers et variés, et tous plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, on va voir l'anonymisation automatique des données. On va parler également de sujets très actuels avec l'intelligence artificielle. On va aussi voir comment utiliser des JWT, des JSON Web Tokens dans vos applications. Enfin bref, le programme est très riche. On est impatient de partager tout ça avec vous. Alors installez-vous bien, éteignez vos téléphones, et c'est parti Et dans ce premier sujet, on va parler de la visite guidée interactive. Alors, c'est vrai que les visites guidées, ben, on en trouve partout aujourd'hui. Dans les applications, dans les sites, dans les applis mobiles. Je vous rappelle, comme son nom l'indique, une visite guidée, ça sert à guider les utilisateurs. La visite, ça met en évidence un ou plusieurs champs dans une fenêtre ou une page et ça donne des conseils ou des explications sur leur fonctionnement. Regardez. Par exemple, quand l'utilisateur lance ce site, eh bien, une visite guidée se déclenche automatiquement. Elle présente les fonctionnalités du site que le concepteur a décidé de mettre en avant. Il y a la recherche multicritères, la FAQ accessible directement sur la page d'accueil ou encore la connexion au compte utilisateur en haut à droite. Comme ça, bien l'utilisateur sait immédiatement où il devra aller. Une visite guidée, ça sert aussi pour présenter des nouveautés ou des choses qui changent entre deux versions. Par exemple, dans cette application, on se sert de la visite guidée pour mettre en avant le nouveau widget indicateur journalier. Les visites guidées, ça aide les utilisateurs à être plus efficaces. Eh bien, tiens, ce que je vous propose maintenant, c'est d'ajouter ensemble une visite guidée interactive sur une autre fenêtre de ce projet. Alors, ce projet, c'est une application de suivi de livraison. Ici, je suis sur la fenêtre de recherche multicritères. Alors, qu'est-ce que je veux mettre en avant dans cette fenêtre Eh bien, je veux présenter trois nouveautés. En un, maintenant le champ de recherche principal accepte n'importe quoi. Numéro de colis, nom de client, téléphone. En deux, on peut maintenant filtrer les résultats par période. Et en trois, on peut également filtrer par agence de livraison. Bien, c'est parti J'ajoute une visite guidée interactive. Donc, c'est ici dans le ruban. Dans le volet fenêtre, je choisis visite guidée. Et dans ce menu, j'ai le choix. Je peux créer une visite guidée pour présenter une application ou ses nouveautés. Je peux créer une utilisation guidée. Alors ça, c'est une variante qui permet de mettre en place très facilement un tuto. C'est très pratique pour les nouveaux utilisateurs. Et je peux aussi créer une bulle à affichage permanent. C'est une troisième forme de visite qui sert à donner des astuces. Je vous montrerai juste après comment on fait. Là, je veux présenter des nouveautés de la fenêtre. Donc je choisis Créer une visite guidée. L'assistant de visite guidée se lance et j'ai plus qu'à indiquer ce que je souhaite. Et la première étape, eh c'est les paramètres généraux de la visite. Alors, il y a un identifiant pour manipuler la visite par programmation, un numéro de version. Alors, ça, ça sert à réafficher la visite guidée quand elle est mise à jour. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Ensuite, je choisis ce qui se passe quand l'utilisateur clique sur le champ mis en évidence. Alors, par défaut, ça passe à l'étape suivante de la visite. Mais ça peut aussi simplement cliquer sur le champ, ou cliquer sur le champ, puis passer à l'étape suivante, terminer la visite, ou ne rien faire. Et puis, il y a les mêmes options quand l'utilisateur clique en dehors du champ. Ensuite, je choisis le look de la bulle de la visite guidée. Alors, je peux choisir la bulle standard, sobre et facile à lire. Et je peux aussi choisir de voir d'autres styles de bulles. Voilà. Et WinDev propose 15 autres styles de bulles différents. Alors toutes ces bulles, en fait, ce sont des fenêtres internes. Quand j'en choisis une, WinDev l'ajoute dans le projet, et donc ensuite bah, je peux la personnaliser selon mes besoins. Vous le voyez, vous pouvez paramétrer finement les couleurs, les marges, les effets graphiques, la mise en évidence des champs de la fenêtre. Alors oh, tiens, moi dans cette appli, je veux pas mettre l'effet de halo, donc je l'enlève. Et puis quand toutes les valeurs par défaut me conviennent, bah, il me reste à définir les étapes de ma visite guidée. Alors les étapes, c'est les champs qui seront mis en évidence et les explications associées. Par défaut, l'assistant crée une visite en trois étapes. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Pour chaque étape, je dois indiquer quel champ de la fenêtre sera mis en évidence. Alors je peux saisir directement le nom du champ ou encore plus simple, utiliser la pipette de sélection. Regardez, clique. Clique sur le premier champ que je veux présenter, donc le champ de recherche. OK. Ensuite, je saisis le titre de la bulle de la visite. Le titre, ça sera La recherche évolue. Et une description en dessous. Vous pouvez maintenant saisir tout ce que vous voulez. Et puis, vous le voyez, je peux également personnaliser les paramètres généraux pour cette bulle en particulier. Maintenant, on passe à la deuxième bulle de la visite ici je vais mettre en évidence les trois champs de sélection de période et pour ça je vous montre une astuce je vais regrouper les trois champs dans une cellule et je mettrai en évidence la cellule c'est parce que la visite guidée met en évidence un seul champ à la fois je sélectionne la cellule je saisis ensuite le titre donc filtré par période je saisis la description utiliser le filtrage par période pour Accélérer les recherches. Les recherches. Et voilà, le tour est joué. Allez, rapidement, je fais la troisième bulle. Alors, le champ, c'est la combo agence de livraison. Voilà. Le titre pour cette troisième bulle, ce sera filtré par agence. Et comme description, on va mettre utiliser le filtrage par agence pour accélérer. Les recherches. C'est terminé, ma visite guidée est définie. Donc je valide l'assistant. Et Windev crée une procédure locale qui correspond à la visite guidée que je viens de définir. Et oui, la visite guidée, c'est du W-langage, ce qui permet de la personnaliser à volonté. Donc déjà, je vais faire Go pour vérifier que la visite correspond à ce que j'attends. Hop, suivant. Bon, vous le voyez, hein, la visite, elle passe d'un champ à l'autre, comme j'ai demandé. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, la visite ne s'affiche qu'une seule fois, pour ne pas agacer l'utilisateur. Moi, ce que je veux, c'est si je la modifie, je veux qu'elle se réaffiche. Mais tiens, c'est l'occasion de vous montrer comment on modifie le code. Et vous allez voir, c'est très facile. Je reviens dans le projet, j'ouvre la procédure générée par WinDev, donc la procédure qui décrit la visite guidée, et j'y retrouve les propriétés de la visite, mes trois étapes, et à la fin, la fonction démarre qui lance la visite guidée. Alors la fonction info, que vous voyez ici juste au-dessus, avec la constante info occurrence, elle permet de savoir si c'est le premier lancement. Quand elle vaut 0, c'est que la visite n'a jamais été lancée. Après le premier affichage de la visite, la valeur passe à 1. Et WinDev stocke automatiquement cette valeur. Bon, moi, je vous rappelle, je veux forcer l'affichage de la visite guidée quand elle a été mise à jour. Alors pour ça, je vais aussi utiliser la fonction info, mais avec la constante info-version. Ce numéro de version il est également stocké par WinDev. Donc il, contient la valeur, il contient la version pardon, de la dernière visite guidée qui a été vue. Donc il suffit de regarder si le numéro de version de la visite a changé. Donc dans le code, j'ajoute, si la version actuelle de la visite est différente de la dernière version vue, alors on réaffiche la visite. On teste. Allez, je fais go. Alors comme on a déjà vu cette visite guidée, bah elle ne se redéclenche pas. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Je referme la fenêtre. Et maintenant, je change le numéro de version de la visite guidée. Je la passe à 2. Je refais go. Et cette fois, la visite se déclenche. C'est exactement ce que je voulais faire. Pour terminer ce sujet, je vous montre une autre utilisation de la visite guidée. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les bulles d'aide à affichage permanent. Allez, pour ça, je change de fenêtre. Hop. Voilà. Je fais go. Alors ici, le champ CNI, carte nationale d'identité, affiche une bulle d'aide à affichage permanent. Tant que le focus est sur le champ de saisie, la bulle s'affiche sur ce champ. Je fais tab, le focus passe sur le champ numéro de TVA, la bulle correspondante s'affiche. Vous avez compris le principe. À chaque fois qu'un champ a le focus, sa bulle apparaît. Une remarque en passant, ici on a utilisé une bulle personnalisée. Alors comment ça se met en place des bulles à affichage permanent comme ça Eh bien, c'est très facile. J'ai créé une visite guidée simplissime pour le numéro de carte d'identité et une autre visite guidée bah, tout aussi simplissime pour le numéro de TVA. Et dans le code nid de la fenêtre, j'ai coupé l'appel de la procédure et je l'ai déplacé dans le traitement d'entrée en saisie du champ. Alors, il ne faut pas oublier de refermer la bulle, donc dans le traitement de sortie du champ, j'utilise la fonction WLanguage Visite Guidée Arrête. Vous l'avez compris, une visite guidée dans vos applis, c'est des utilisateurs hyper efficaces et qui n'appellent pas le support en permanence. Avec WinDev, les visites guidées, c'est facile. Profitez-en! Chouchoutez vos utilisateurs parlons du nul parce que des fois le nul bah c'est bien bah ouais au moins si tu fais un nul t'as pas perdu mais non manu moi je vais parler de la gestion du nul dans la base de données et dans le w langage allez un petit rappel c'est quoi le nul exactement Eh bien, quand on affecte la valeur nulle à une variable ou à une rubrique, c'est pour indiquer qu'elle n'est pas renseignée. C'est différent de chaîne vide ou zéro. Nul, c'est vraiment non renseigné. Maintenant, en version 2024, le nul, bah c'est bien. La gestion du nul, elle s'est normalisée. Allez, on commence par la base de données avec le nul indexable. Le nul indexable, ça vous permet d'avoir une rubrique, une colonne. Clé unique qui peut contenir des valeurs nulles. Si la valeur est renseignée, le moteur HFSQL vous garantit qu'elle est unique. Et si la valeur est nulle, le moteur HFSQL n'en tient pas compte dans la vérification de l'unicité. Alors, pour définir qu'une rubrique est nulle, nulle indexable, eh bien, vous vous en doutez, ça se passe dans l'analyse. Alors, en premier, c'est dans la description de la table du fichier de données. Dans l'onglet Détails, vous cochez Nul indexé ici. Ensuite, pour les rubriques, c'est dans la description des rubriques. Par exemple, ici, dans le fichier client, j'ai décidé que l'adresse email doit être une clé unique. Si elle est renseignée, elle est unique. Si elle n'est pas renseignée, elle vaut nulle. Mais je n'ai pas d'erreur de doublon. Et au niveau du code, comment ça se passe pour gérer les valeurs nulles eh bien, c'est facile, il suffit d'une case à cocher pour activer la gestion du nul par le W langage. C'est dans la description du projet, dans l'onglet compilation. Ici, vous cochez autoriser les types nulables. Alors à partir de ce moment-là, vous avez accès à un nouvel attribut sur les variables, l'attribut nulable. Par exemple, vous le voyez ici. Dans la classe qui mappe le fichier client, le membre email correspond à la rubrique email. La rubrique email, c'est une rubrique nullable. Donc le membre, il faut aussi qu'il puisse contenir la valeur nulle. Alors pour déclarer une, varia une variable nullable, vous avez deux possibilités. Soit comme ici avec le point d'interrogation, soit en ajoutant l'attribut nullable. En fait, les deux syntaxes sont équivalentes. Alors, qu'est-ce que ça change pour mon code eh bien, ça change que la variable contiendra la valeur nulle quand j'ai nul dans la base de données. Mais par contre, ça a deux grosses implications sur votre code. Déjà, la valeur nulle n'est plus utilisable avec les types simples. Vous ne pouvez plus faire n est un entier égal nul. Il faut faire n est un entier nullable égal nul. Deuxième changement, comme nul n'est pas défini, on ne peut pas le comparer. Bah oui, nul, c'est n'est pas supérieur à 1 et nul, ce n'est pas inférieur à 1. Donc on ne peut pas le comparer. Alors ça veut dire que chaque fois que vous appelez une fonction, que ça sur une variable nullable, il faut s'assurer avant que cette variable n'est pas nulle. Alors avant, on faisait, euh, si ma variable est différente de nulle, alors j'appelle ma, ma fonction. En version 2024, j'utilise le nouvel opérateur point d'interrogation, point, que vous voyez ici. Grâce à cet opérateur, vous le voyez, hein, la fonction extrait chaîne n'est appelée que si la variable email n'est pas nulle. Et si la variable email est nulle, la propriété renvoie nul. Parmi les autres opérateurs, vous disposez également de l'opérateur point d'interrogation, qui vous permet de renvoyer une valeur de substitution si la variable est nulle. Par exemple, dans la propriété email affichable, je renvoie l'adresse email si elle est renseignée et la chaîne non renseignée si l'email est nul. La gestion du nul dans le W-langage et dans la base de données est maintenant standardisée. Et ça, c'est bien. Et maintenant, un sujet sur l'accessibilité mobile. Alors, l'accessibilité, eh bien c'est rendre vos applis mobiles facilement utilisables par des personnes en situation de handicap. Dans ce sujet, on va voir comment rendre vos applis mobiles accessibles. Alors, sur les mobiles, Google et Apple ont prévu des mécanismes de lecture d'écran intégrés dans Android et iOS. Il n'y a rien à installer en plus, hein, il suffit de les activer. Bien sûr, ils ont chacun le leur, TalkBack sur Android et VoiceOver sur iOS. Mais pour vous qui utilisez Windows Mobile, tout est facile. Windows Mobile prend en charge les deux lecteurs de la même manière. Tout ce que vous avez à faire pour qu'un champ soit lisible par les lecteurs d'écran, c'est... Bah rien en fait. C'est le cas par défaut. Alors par contre, il vous faudra indiquer quels champs ne doivent pas être lus. Et ça, c'est une case à décocher dans les sept onglets. Donc c'est ici, dans l'onglet Aide. Il suffit de décocher Inclure ce champ dans l'accessibilité. Et quand le libellé du champ ne vous semble pas suffisant pour aider un utilisateur malvoyant, vous cliquez sur Personnaliser. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous saisissez un libellé plus détaillé pour le champ et vous pouvez même rajouter une description personnalisée de l'action accomplie. Bien sûr, ces descriptions sont multilingues et modifiables par programmation avec la propriété accessibilité. Allez, je vous montre ce que ça donne sur mon téléphone. Donc je lance l'appli Windows Mobile. Alors, c'est une appli de réservation de supercar. Alors moi, je suis sous Android, donc j'active TalkBack en maintenant appuyé simultanément les deux boutons du volume pendant 3 secondes. Attention. Alpac activé. IlightX. Image. Appuyez deux fois pour activer. Et maintenant, quand je touche un champ, via l'appli la, Windev Mobile lit la description correspondante. Écoutez. Réservez le véhicule, bouton. Appuyez deux fois pour exemple de texte pour le Windev Text Tour 2024. Voilà, on distingue bien les deux zones de description, de description pardon, qui sont personnalisables dans l'asset onglet. Alors bien sûr, vous l'avez compris, il y a un changement de fonctionnement par rapport à un téléphone en mode normal, puisque un appui simple lit l'information. Donc pour exécuter une action, en fait, il faut appuyer deux fois. L'accessibilité dans les applis mobiles, c'est un sujet important. Dans vos applis Windows Mobile, tous vos utilisateurs, même ceux en situation de handicap, bénéficient des mêmes services et des mêmes fonctionnalités. TalkBack désactivé. JWT, JSON Web Token. Vous avez besoin qu'une de vos applications accède à Office 365 pour récupérer des documents, qu'une appli accède à un compte Gmail, qu'une appli pilote des services Azure, eh bien l'authentification auprès de tous ces services ça utilise un protocole standard qui s'appelle OAuth. Et pour automatiser une connexion OAuth, il existe le format normalisé JWT, JSON Web Token. Ça tombe bien, le service marketing m'a demandé une application. Cette appli, elle doit collecter les statistiques Google Analytics du site de l'entreprise et ensuite les afficher dans leur tableau de bord. Alors pour ça, je vais utiliser les API de Google Analytics. Mais moi, je ne veux pas donner le mot de passe du compte Google de l'entreprise aux utilisateurs de l'appli. Vous ne vous rendez pas compte C'est des commerciaux. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Alors dans ce cas-là, une solution simple, c'est de créer un compte de service. Un compte de service, qu'est-ce que c'est en fait, c'est simplement un compte d'accès aux API par programmation sans interaction utilisateur. Pour accéder à Google Analytics, vous créez un compte de service chez Google. La création du compte, ça se passe dans la console développeur Google, dans la, dans la partie API et services identifiants. Vous cliquez ensuite sur Gérer les comptes de service, en bas à droite. Ensuite, sur Créer un compte de service. Il y a quelques infos à renseigner. Vous les voyez ici. Et ensuite, le plus important, c'est qu'il faut créer une clé privée pour accéder à ce compte. Donc ça se fait ici, dans l'onglet Clé, Ajouter une clé. Et enfin, bah, vous récupérez le fichier JSON qui correspond à cette clé. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fichier JSON ben, On va regarder. En voici un. Alors, il y a la clé privée, il y a l'email client, c'est l'email du compte qui va se connecter. Alors, ici d'ailleurs, vous le voyez, c'est un identifiant particulier qui ne correspond pas réellement à une adresse email d'une personne physique. Il y a également différentes URL pour faire l'authentification, pour récupérer le fameux JWT, le JSON Web Token, et puis encore d'autres pour gérer les certificats. Alors, pour utiliser ce fichier JSON dans vos applications, ben là, c'est facile. Il suffit de déclarer une variable de type JWTParamètre comme ici. Alors JWTParamètre c'est un nouveau type de variable de la version 2024. Vous initialisez le JWTParamètre avec les éléments qui sont dans le fichier JSON. Alors le dernier paramètre, le, le grand bloc là, c'est la clé privée. Et pour se connecter, eh bien on appelle authIdentify comme d'habitude. La différence c'est que comme on est sur un compte de service, eh l'authentification n'est pas interactive. La fonction auth_identify n'ouvre pas la fenêtre de connexion. La fonction auth_identify elle renvoie à une variable de type auth_token qui correspond au JWT donné par Google. Et ensuite vous utilisez cette variable auth_token comme d'habitude dans vos appels REST pour identifier vos, votre application. Par exemple ici j'appelle le web service REST de Google Analytics. Et je lui donne le JWT qui prouve mon identité. Et à l'exécution, ça marche tout seul et j'ai mes données. Plus besoin de donner des mots de passe à tous les utilisateurs Plus besoin que l'utilisateur saisisse un mot de passe à chaque lancement d'application oh et JWT, avec le W-Langage, c'est sécurisé, c'est facile et c'est rapide. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui va vous faire gagner un temps précieux, des journées entières chaque année. Et en plus, ça va vous éviter toutes les erreurs humaines de manipulation. Ce sujet, c'est l'intégration continue. L'intégration continue, ça automatise tout ce qui n'est pas le développement lui-même. La compilation, la mise à jour des web services et des composants, l'exécution des tests, la création des installs, le déploiement. Et comme tout est automatisé, bah déjà, ça vous prend zéro temps. Et vous faites zéro erreur de manipulation. Et tout ça, comment ça fonctionne Eh bien, ça fonctionne avec la fabrique logicielle qui est livrée en standard. On vous montre. La première étape, c'est de définir toutes les actions à automatiser. C'est ce qu'on appelle un plan d'action. La deuxième étape, ça sera d'exécuter ce plan d'action. Donc ça, c'est le travail des automates de la fabrique logicielle. Un automate, c'est un outil de la fabrique logicielle qui pilote Windev, Webdev ou Windev Mobile pour exécuter les actions du plan d'action. Alors, pour voir ce qu'il y a dans un plan d'action, ben on va en créer un ensemble. Moi, je veux recompiler toutes mes applis tous les soirs à 22h. Comme ça, le lendemain matin en arrivant, tous mes projets sont à jour et le service qualité peut commencer à tester. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan d'action s'applique à un projet. Et pour éviter d'avoir à écrire un plan d'action pour chaque projet, le nom du projet peut être passé en paramètre. Alors en général, pour créer un plan d'action, on fait un projet dédié. C'est ce qu'on a fait ici, donc là on a un projet vierge et pour créer un plan d'action, il me faut une configuration de type plan d'action. Nous, on l'a déjà créé, vous la voyez ici. Ensuite, je crée le plan d'action. Donc nouveau automatisation plan d'action. Alors je lui donne un nom, je vais l'appeler Plan Recompilation. Et voilà. Alors par défaut, vous le voyez, WinDev a généré un squelette de plan d'action. Dans ce plan d'action, il y a sept actions. Le lancement de WinDev, l'ouverture du projet, la recompilation, le lancement de l'audit statique, le lancement des tests automatiques, la génération de toutes les configurations et la fermeture de WinDev. Alors, mes projets, moi, ils utilisent des web services. Donc, en plus, je veux ajouter l'action de mise à jour des web services. Alors, sur la gauche, il y a toutes les actions possibles. Dans cette liste, je recherche web services. Voilà. Je choisis l'action mise à jour des web services et je fais un drag and drop pour l'insérer dans mon plan d'action. Donc, la mise à jour des web services, je vais la mettre avant la recompilation du projet. Ici. Et parmi les 116 actions à votre disposition, vous disposez entre autres de la synchronisation des modèles, la génération de l'installation, le déploiement de l'application dans votre store privé, l'extraction et la réintégration des messages multilingues, l'étiquetage des sources dans le GDS. Et si jamais vous ne trouvez pas l'action que vous souhaitez, vous pouvez toujours la définir vous-même avec l'action exécution d'une procédure W-Langage. Voilà, mon plan d'action est défini. Il faut que je lui donne quand même certaines infos. Par exemple, il ne va pas deviner tout seul quel projet il doit recompiler. Pour paramétrer une action, double clique sur l'action. Allez bien dans l'action ouverture d'un projet depuis le GDS. J'indique le projet à ouvrir. Je peux soit directement sélectionner le projet à ouvrir, soit indiquer qu'il va s'agir d'un paramètre du plan d'action. Alors je vous rappelle, moi je veux que le projet ce soit un paramètre du plan d'action. Donc je choisis paramètre et je lui donne un nom param chemin projet. Donc là j'étais dans l'onglet général. Le deuxième onglet, c'est l'onglet erreur. Il sert à définir ce qui se passe en cas d'erreur. Là, il y a plusieurs possibilités. Arrêter l'exécution du plan d'action et enregistrer l'erreur dans le compte rendu. Alors dans ce cas-là, le plan d'action s'arrêtera ici, sera en erreur, et puis bien sûr, l'erreur sera dans le compte rendu. Exécuter un traitement d'erreur personnalisé Ça, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire en fonction de l'erreur. Troisième possibilité, enregistrer l'erreur, mais continuer l'exécution. Dans ce cas, le plan d'action va continuer mais finira en erreur. Alors par exemple, vous pouvez avoir certains tests auto qui ne sont pas passés mais vous voulez quand même déployer sur le serveur du service qualité. Et enfin, quatrième choix, ne pas générer d'erreur mais enregistrer une information. Alors dans ce dernier cas, le plan d'action en fait va continuer et se terminera avec succès. Ça c'est la stratégie dite de la poussière sous le tapis. Troisième onglet, l'onglet message. Ici, vous indiquez les personnes à prévenir en cas d'erreur soit par les messageries intégrées de WinDev, soit par email. Ça c'est pratique pour prévenir le responsable de l'infra si un serveur n'est pas dispo par exemple. Toutes les actions ont leurs paramètres. Par exemple, dans l'action lancer WinDev, eh bien je peux choisir la version de WinDev que je veux utiliser pour exécuter mon plan d'action et le type de licence. Alors, là je vais vous spoiler, j'ai le choix entre licence historique avec clé physique ou une licence SaaS. Voilà, mon plan d'action est prêt, maintenant je veux m'en servir. Comment je fais Eh bien, il faut une fabrique logicielle, et c'est ce qu'on verra demain. Vous l'avez vu dans ce sujet, créer des plans d'action, c'est facile. Et demain, on continue ce sujet sur l'intégration continue avec la mise en place de la fabrique et le déploiement de notre plan d'action. Et pour l'instant, sujet suivant. Dans ce sujet, on va voir ensemble comment créer et déployer un web service en trois étapes grâce à WebDev. Alors, notre équipe développe une CRM. Pour accéder à la base client de la CRM, j'ai écrit une collection de procédures pour faire des recherches, pour lire les infos des clients, etc. Cette collection, je veux la mettre à disposition du reste de l'équipe. Donc, je vais la mettre à disposition sous forme d'un web service. Comme ça, tout le monde pourra l'utiliser et je pourrai la mettre à jour sans que les autres développeurs aient besoin de recompiler leurs modules. Avec Windev, il n'y a rien de plus facile. Trois étapes et c'est plié. Avec WebDev, c'est tout aussi facile d'ailleurs. C'est la même chose. Et avec Windev Mobile aussi. Allez, je vous montre. Pour définir un web service dans Windev, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'ajouter une configuration de type web service dans le projet. Donc là, je choisis de faire un web service SOAP. C'est le plus facile et le plus rapide. Parce que Windev va automatiquement transformer mes procédures en points d'entrée du web service. J'ai aussi le choix de faire un web service REST. Dans ce cas-là, je devrais définir les points d'entrée moi-même et choisir à quelle procédure correspond chaque point d'entrée. Maintenant, dans le web service, j'ajoute la collection de procédures. Suivant et terminé. Donc ça, c'était la première étape. Créer le web service. Deuxième étape maintenant, c'est la génération du web service. La génération pour un web service, c'est l'équivalent de la création d'exe pour une application. Donc projet, générer, un assistant se lance, je me laisse guider. Alors la première chose à définir, c'est le nom du web service. Je l'appelle WSCRM accès client. Les web services, ça reste du web éviter les accents et les espaces. Allez, suivant, suivant. Alors, dans ce plan, je dois choisir quels éléments du projet sont accessibles dans le web service. Alors, bien sûr, je coche ma collection de procédures. Hein. Et terminé. Ben, bah, c'est quoi ça Pourquoi il y a une erreur Qu'est-ce que tu as fait, Marc Bah, moi, rien, euh, c'est la collection de menus. Hein. Bah, écoutez, on va faire un truc exceptionnel, on va lire le message d'erreur. Et Windev indique que le paramètre type recherche de la procédure client recherche est un paramètre optionnel. Et il nous dit Veuillez le rendre obligatoire pour générer le web service. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme SOAP n'autorise pas les paramètres optionnels. Donc, ce que je vais faire, c'est aller modifier le code pour rendre ce paramètre obligatoire. Donc, dans la procédure client recherche, j'enlève la valeur par défaut du paramètre type recherche. Je relance la génération du web service. Et cette fois, c'est OK. Il n'y a plus d'erreur. Deuxième étape terminée. Allez, on passe à la troisième étape, le déploiement. Donc, quand le web service est généré, j'ai plus qu'à le déployer. Ici, je vais déployer dans mon compte PCS Cloud. Donc, dans l'assistant, je choisis PCS Cloud. J'indique mes identifiants. Login et mot de passe de mon compte PCS Cloud. Je choisis la plateforme. Et terminé. Donc l'assistant installe le web service. Ça prend quelques secondes. Et à la fin du déploiement, l'assistant affiche deux liens. Le premier lien, je clique dessus. C'est une page de test du web service. Cette page, elle est générée automatiquement par Windev. Le second lien, eh bien, c'est l'adresse de la description du web service, le WSDL qu'on prononce WSDL ». Alors c'est ce lien, cette adresse que je vais fournir aux autres développeurs pour qu'ils puissent importer le web service dans leur projet et l'utiliser. Je vous rappelle pour utiliser un web service dans un projet Windev ou Webdev ou Windev mobile, vous faites clic droit dans l'explorateur utiliser un web service. Vous copiez-collez l'adresse du WSDL du Whistle et c'est tout. Les procédures du web service sont utilisables comme n'importe quelle procédure de votre projet. On vient de le voir, créer un web service avec WinDev, WebDev ou WinDev Mobile, c'est super facile. L'hébergement, tout aussi facile. Il suffit d'aller chez PSS Cloud On est entre développeurs, on peut se parler. Bon, on aime bien tous, euh, dans les applis, planquer un petit champ pour pouvoir saisir du code. Vous savez, quand on a besoin de faire faire une manip bien spécifique à l'utilisateur ou la faire nous-mêmes quand on est en dépannage chez le client. Eh bien, pour vous faciliter la vie, la version 2024 de Windev vous offre un champ éditeur de code. Alors dans ce sujet, je vais vous montrer un cas d'utilisation de ce champ et comment l'intégrer dans vos applications. J'ai préparé un exemple. C'est une application de supervision de réseau. Elle sert à piloter des serveurs dans un data center. Dans cette application, les administrateurs réseau disposent d'une bibliothèque de traitements qu'ils peuvent exécuter sur leur serveur. Ces traitements, ils sont écrits en W langage. Et les administrateurs réseau peuvent éditer et modifier le code de ces traitements directement dans l'application. Soit parce qu'ils ont, qu ont le niveau en W langage, soit parce que vous les guidez. Ou soit, sinon, c'est vous qui le faites. Dans tous les cas, pas besoin de recompiler l'appli. Alors par exemple, l'administrateur peut afficher l'espace disque libre sur un serveur. Il choisit le traitement mesure de l'espace disque, il sélectionne le serveur, il clique sur exécuter et le résultat s'affiche. Et s'il veut modifier le traitement, par exemple pour mesurer l'espace de tous les disques et pas seulement du premier. Eh ben, c'est facile. Il clique sur éditer. Il arrive dans la fiche du traitement et le code du traitement est présenté dans un champ éditeur de code. Et ce code, il est modifiable. Ce champ, il permet d'éditer du code WLangage. Il propose la coloration syntaxique, l'aide à la saisie, il signale les erreurs de syntaxe. Et bien sûr, vous l'avez compris, si c'est nécessaire, vous pouvez permettre à l'utilisateur de nommer et sauver ses traitements. Comme ici. Allez, maintenant, je vous montre comment mettre en œuvre ce champ éditeur de code WLanguage dans vos applications. Alors, déjà, la création du champ. Bon, ça, c'est le plus facile. Vous vous en doutez, il est dans le ruban, dans le volet création. Alors, il est avec les champs bureautiques. Vous déroulez, vous choisissez éditeur de code. Alors, ce champ, il contient par défaut une barre d'outils complète que vous voyez ici à l'écran, qui propose toutes les fonctionnalités classiques hein, charger, sauver, couper, copier, coller, undo, redo, etc et puis aussi des fonctionnalités plus spécifiques au code, comme commenter ou décommenter la sélection, compiler ou exécuter le code. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bouton de la barre d'outils, c'est une fonction WLangage. Une astuce, si vous voulez choisir les fonctionnalités proposées ou en ajouter, c'est super facile, dans la description du champ, dans l'onglet Général, vous décochez Afficher la barre d'outils, et vous créez une barre d'outils perso avec les options dont vous avez besoin. Par exemple, pour commenter la sélection, c'est la fonction WLangage éditeur code comment ou simplement commente en syntaxe préfixée. Vous disposez également de fonctions de rechercher, remplacer, d'insertion de code, de duplication de lignes, etc. Et la sécurité dans tout ça Parce que vous ne voulez pas que vos utilisateurs exécutent n'importe quelle fonction dans vos applications. Eh bien, vous avez le choix. Soit vous autorisez toutes les fonctions du WLangage, soit vous en interdisez certaines soit vous en autorisez uniquement certaines. Ça se configure par programmation avec la propriété monchamp.compilateur. Le champ éditeur de code, c'est un éditeur de code efficace, mais c'est surtout un champ, donc vous pouvez l'utiliser dans vos applications. Définir des traitements dynamiques dans vos applications, ça apporte souplesse et flexibilité. Le champ éditeur de code, c'est votre ami. Dans votre activité, vous gérez certainement des adresses, des infos de cadastre, des parcelles de terrain, des constructions, des routes, des lieux d'intervention, des zones d'épandage, bref, des infos géographiques. Eh bien, ce sujet, il est fait pour vous. On va voir ensemble comment faire des traitements et des requêtes SQL sur ces données géographiques. Eh oui, grâce à la version 2024, vous créez des index spatiaux terrestres, des index géographiques, et vous effectuez des traitements sur ces données géographiques. Alors, le terme exact, c'est « données spatiales », mais ce sont des données spatiales terrestres, hein. ce n'est pas l'espace intersidéral. L'intérêt des données spatiales, c'est qu'elles tiennent compte de la courbure de la Terre. Tout de suite, un exemple concret. Cette application, c'est l'application d'une chaîne de restaurants internationale, la boucherie Golo. Ils ont décidé d'organiser une soirée de dégustation. Chaque restaurant veut inviter tous les clients qui habitent à moins d'une demi-heure de route. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mailing commun par département avec la liste des restaurants du département. La fenêtre de recherche propose cinq critères classiques, mais ça, on n'en a pas besoin. Et trois critères géographiques, c'est ceux-là qu'on va utiliser. Donc, je choisis les restaurants concernés. Ici, c'est les restaurants des Alpes-Maritimes. Et ensuite, l'appli donne le choix, soit une distance max, soit une durée de trajet max. Donc, je choisis 30 minutes, 30 minutes de trajet max en voiture. Je clique sur rechercher et l'application affiche les résultats. Dans ces résultats, je retrouve bah, les critères de recherche, qui sont rappelés en haut, la liste des clients correspondants, ils sont 417, et une carte qui m'affiche les isochrones que j'ai demandés. Alors un isochrone, en fait, c'est un polygone, c'est une zone géographique qui correspond à un temps de trajet. Et voilà, il n'y a plus qu'à envoyer les mails d'invitation. Sympa alors, le calcul de la zone géographique, c'est deux lignes de WLangage. La récupération des clients, c'est une requête SQL. Et le remplissage de la carte, c'est cinq lignes de code en WLangage. Maintenant, je vous montre. L'affichage des clients sur la carte, c'est cinq lignes de code. Pour chaque client, je construis une variable marqueur. Et je l'ajoute dans le champ carte avec la fonction WLangage, carte ajoute marqueur. OK. Mais euh, tes clients, ils viennent d'où Tu les as récupérés comment Ben, ils viennent de chez eux. Et euh, je les ai récupérés avec une requête SQL géospatiale. Voilà le code de la requête. Cette requête, elle récupère la liste des clients qui habitent dans le paramètre. Qui habitent où dans le, dans le périmètre Non, dans le paramètre. Le paramètre qui est passé dans la condition. Mais euh, c'est quoi ce paramètre il, il vient d'où ce paramètre le paramètre, c'est un polygone. et contient l'union des isochrones. Alors, je vous rappelle, un isochrone, c'est la zone géographique qui correspond à un temps de trajet par rapport à un point donné. Alors, vous voyez, ici, on a utilisé la nouvelle fonction SQL stcontains, qui permet de savoir si un point est contenu dans une forme. Ici, notre polygone. En version 2024, vous disposez de toute une famille de nouvelles fonctions SQL. Pour gérer des index spatiaux. Donc st contains, st area, st distance, etc. st c'est spatial types ou spatial types. Enfin, c'est les types spatiaux en fait. Ok, maintenant je sais ce que c'est. Mais euh, il est calculé comment ce polygone il, il vient d'où Je l'ai calculé avec la nouvelle fonction W langage géométrie union. Regarde, j'ai fait une boucle pour calculer l'isochrone de chaque restaurant et faire l'union des isochrones. C'est deux lignes alors géométrie union, c'est une des nombreuses fonctions de la nouvelle famille géométrie. Ces fonctions, elles vous permettent de manipuler facilement des formes géométriques ou géographiques. La différence entre géométrique et géographique, c'est que les calculs géographiques tiennent compte de la courbure de la Terre. Alors parmi ces fonctions, vous disposez de géométrie R pour calculer l'aire d'une forme, par exemple la surface d'un terrain, géométrie contient pour savoir si une forme contient un point, géométrie chevauche, ça c'est très utile pour les agents immobiliers à court cheval, géométrie périmètre pour calculer le périmètre d'une forme, par exemple pour savoir combien de grillages il faut acheter pour être à l'abri des sangliers. Et vous le voyez, il y en a bien d'autres. Ok, j'ai compris, mais j'ai encore une question. Chacun de tes isochrones, tu les sors d'où Eh bien, ce qui est sûr, c'est que je ne le les sors pas de mon chapeau. Il sort du composant carte étendue. C'est un des exemples standards livrés avec Windev. Je fais juste une parenthèse, on dit Windev depuis le départ, mais ça marche pareil avec Webdev et Windev Mobile. Ce composant, il permet de calculer entre autres des isochrones. et Vous pouvez le réutiliser dans vos applications. À ce sujet, vous avez un super article dans la LST 104 sur les isochrones. Je vous le conseille. Avant de finir ce sujet, je vous montre un truc vachement bien et qu'on a utilisé tout à l'heure en plus c'est les nouveaux types HFSQL, les types de données géographiques. Alors à chaque fois que vous utilisez ces types, ben c'est des centaines de lignes de code que vous économisez. Regardez dans le fichier client, la rubrique géoadresse, c'est une rubrique de type données géographiques. Et son sous-type, eh c'est un point géographique, donc une latitude et une longitude. Et pour pouvoir faire des requêtes dessus, eh j'ai indiqué que cette rubrique est une clé spatiale. WinDev, WebDev et WinDev Mobile vous offrent des types de rubriques pour stocker les valeurs géographiques et géométriques, des types WLangage pour manipuler les valeurs géographiques et géométriques, des fonctions WLangage pour faire des calculs sur les valeurs géographiques et géométriques. Avec WinDev, vous géographez et vous géométriez comme vous voulez. Nouveau sujet, on va maintenant parler du W langage. On va vous présenter notre top 7 des nouveautés du W langage qui vous font gagner du temps ou qui rendent votre code plus facile à maintenir. C'est parti. En septième position, les types personnalisés. Vous pouvez définir vos propres types de données. Il y a principalement trois gains. À la relecture, c'est beaucoup plus clair, pour les passages de paramètres, ça évite les erreurs et vous pouvez changer le type d'un ensemble de variables en modifiant une seule ligne de code. Pour ça, il suffit de changer la définition du type personnalisé. Par exemple, pour passer de ID auto sur 4 à ID auto sur 8. Regardez. Ici, plutôt que d'utiliser le type générique monétaire, j'ai défini un type personnalisé prix hors taxe. La syntaxe pour définir un type personnalisé, c'est prix hors taxe est un type deux points monétaire. Maintenant, quand une procédure attend en paramètre un prix hors taxe, j'utilise le type que j'ai défini. Et pour trouver tous les endroits du projet qui manipulent, qui manipulent des prix hors taxe, Shift F2 et ça ouvre la fenêtre des références croisées. Allez, en sixième position, le compile-si existe. En gros, c'est j'existe, donc je compile. Cette nouvelle syntaxe de compile-si, en fait, elle permet de compiler un morceau de code que si un élément particulier existe dans le projet. Que ce soit une constante, une fenêtre, une page. C'est très pratique pour du code partagé entre plusieurs projets. Alors par exemple, ici, si la fenêtre d'attente existe dans la configuration, dans le projet en cours, on l'ouvre. Sinon, le téléchargement se fait directement. En cinquième place, les chemins naturels. Alors quand on construit un chemin de fichier par programmation, on se pose tout le temps des questions. Est-ce que j'ai mis un anti-slash ou pas Et si j'en mets deux, est-ce que c'est un problème Et si je suis sous Linux, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre un slash à la place En version 2024, la construction de chemin de fichier s'est devenue super facile. Vous mettez tout le temps l'opérateur slash, le W langage se débrouille et construit automatiquement le chemin avec la syntaxe adéquate, comme chez là. En 4, c'est l'attribut extension sur les champs. Grâce à cet attribut, vous définissez vos propres fonctions w langage sur les champs de votre projet. Alors regardez. Ici, j'ai défini une fonction pour les champs table. Color, ligne, comme couleur, tracteur. Parce que moi, ce que je veux, c'est que dans la table des tracteurs, je veux que le fond de la ligne soit de la même couleur que le tracteur. Donc le premier paramètre de cette fonction, c'est un champ de type table. D'ailleurs, pouvoir préciser le type de champ, ça aussi, c'est une nouveauté de la version 2024. Et quand j'ai besoin de l'appeler, c'est simplement table tracteur, point, color, ligne comme couleur tracteur. Troisième place sur le podium, le nouveau type format numérique. Deux chiffres après la virgule, cinq avant, un point pour séparer les milliers. Avec le nouveau type format numérique, vous faites ce que vous voulez. Fini les syntaxes obscures de numérique vers chaîne. En deuxième position, le nouveau modulo. Alors, c'est tout bête, mais pour 100, bah, c'est plus standard, c'est plus court à taper, et ça marche pareil que d'écrire « modulo » en toutes lettres. Et toi, tu mets ça en nouveauté numéro 2. Ouais. Bon, alors, je vous rappelle quand même, ce classement, c'est un classement qui est tout à fait personnel à Manu. Et je finis avec notre, notre top 1. Euh, <laughs> c'est quoi ça, sur l'image C'est des pretzels Mais non, c'est un troupeau de chaînes. Et autour, c'est des délimiteurs, en fait. Ok. Allez, on enchaîne. La nouveauté, c'est le nouveau délimiteur de chaîne. En version 2024, en plus des doubles côtes et des crochets, il y a maintenant un nouveau délimiteur de chaîne. C'est ce qu'on voit là, c'est cet accent grave, qu'on appelle également un back coat ou back-tick. Pour, pour le taper sur un clavier azerty, c'est Alt-G-R-E, accent grave. Alors, on gagne quoi avec ce nouveau délimiteur Déjà, plus besoin de doubler les guillemets dans les chaînes. Donc, c'est beaucoup plus lisible. Et en plus, l'opérateur d'insertion, le crochet pour cent, il marche à tous les coups, quelle que soit l'option de compilation du projet. Ça, c'est très utile pour le code partagé entre plusieurs projets. Le W-Langage, c'est votre compagnon au quotidien. Il vous offre puissance, lisibilité, concision et facilité d'emploi. Et en version 2024, il est encore plus puissant, plus lisible et plus agréable à utiliser. A vous de jouer. Nouveau sujet, on va parler des prémices de l'IA dans l'éditeur de code de la version 2024. Et pour ça, allons tout de suite dans l'environnement, j'ai préparé un projet support. Le premier rapport de l'IA dans la version 2024, c'est l'explication de code. Je vous montre un exemple. J'ai ici, dans cette collection de procédures, un monstre très dangereux, une bête sauvage. La fonction CH2QP. C'est quoi ce nom Ben, ça, euh, c'est Régis. 88, 88 lignes de code, pas ben un commentaire, des conditions imbriquées. Aucun nom de variable de plus de 3 caractères On dirait qu'il paye les octets. Et il y a même des ternaires. Bref, on comprend rien du tout. Il ne manquerait plus qu'une lampe d'arrêt. Alors on fait quoi On évoque l'esprit du code On fait une petite prière en espérant avoir une illumination ben Non, on demande à l'IA de l'éditeur de code de nous expliquer ce qu'elle fait, cette procédure. Allez, c'est parti, clic droit. Que fait ce code alors l'IA cherche, elle, elle analyse le code. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Alors elle nous dit cette procédure CH2QP permet de convertir une chaîne de caractères en format quotid printable. Et ben voilà, en fait cette procédure elle encode une chaîne de caractères au format quotid printable, tout simplement. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait le format quotid printable, c'est un format d'encodage de texte qui est utilisé dans les emails. L'IA, elle me dit que le paramètre chaîne, en fait, c'est la chaîne à encoder. Et elle me dit que le paramètre B64, il indique si la conversion doit se faire en bas 64 ou non. Et que le résultat, il contient, euh, il contient quoi Il contient une chaîne ANSI euh, de, qui correspond euh, à la chaîne encodée en quotid printable. Dans ce projet, il y a une autre procédure que je ne comprends pas. Marc, tu peux l'afficher, s'il te plaît oui. Si tu me dis comment elle s'appelle en fait. C'est pas faux. C'est la procédure calque VMP. Bon, je me doute qu'elle calcule un truc, hein. mais quoi Parce que là aussi, euh, le Régis, ça sévit. Il a zappé les commentaires. Ben là, ce que je vais faire, je vais aussi demander à l'IA de l'éditeur de code de m'expliquer la procédure. Clic droit. Que fait ce code Là encore, l'IA cherche. Elle analyse le code. Et alors Qu'est-ce qu'elle nous dit alors, cette procédure a pour but de calculer la valeur moyenne d'un panier d'achat sur une période donnée, ainsi que l'écart type des montants des paniers. Pas mal Mais euh, si je ne comprends pas la réponse Ben déjà, tu la relis. Ok, mais euh, si je comprends toujours pas Là, voilà, tu cliques sur « Régénérer la réponse ». Et y formule différemment l'explication. Et oui, ça c'est un point important, ce qu'il faut savoir sur les IA conversationnelles, c'est qu'à chaque fois que vous posez la question, vous avez une réponse qui est formulée différemment. Du coup, il ne faut surtout pas hésiter à reposer la même question. Parfois, la seconde réponse sera plus claire ou pas. Alors, je voudrais juste faire une pause technique. L'IA de l'éditeur de code s'appuie sur le modèle GPT de la société OpenAI. Donc, pour l'utiliser, il faut créer un compte chez OpenAI. Alors, ça, c'est facile, il suffit d'aller sur leur site. Dans votre compte OpenAI, il faut ensuite demander à générer une clé d'API. C'est ici, dans la section API Keys. Alors attention, la clé n'est affichée qu'une fois au moment de sa génération et c'est tout. Donc copiez-la tout de suite. Et cette clé, vous allez la coller ensuite dans les paramètres de WinDev. Donc dans le volet Accueil, Options, Options générales de WinDev, dans l'onglet API tierce, ici, vous collez la clé fournie. Maintenant, je vais vous montrer une autre utilisation de l'IA dans l'éditeur de code. Je reviens sur la procédure de calcul de stade des commandes. Je vais générer automatiquement la documentation technique de la procédure en cliquant sur le petit en haut, le petit bouton tout en haut à droite. Et là, l'éditeur de code génère tout automatiquement. Donc le résumé, les paramètres, tout y est. Et ça fonctionne que vous utilisiez le format de commentaire habituel de Windev ou le nouveau format disponible en version 2024, le format d'Oxygène. Allez, je vous montre une troisième utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éditeur de code. Alors, cette fois-ci, ça concerne plus particulièrement le GDS. Lors d'une réintégration, au lieu de saisir le commentaire de réintégration, je peux demander à l'IA de Windev de le générer pour moi. Regardez, je réintègre la classe Modèle Client. Je clique sur Générer le commentaire. L'IA réfléchit un petit peu. Et pour mes collègues qui passeront derrière moi, ils verront que j'ai ajouté deux nouvelles procédures Supprimer et B possède commande en traitement avec une explication pour chacune des procédures. Avec l'intelligence artificielle, vos commentaires de réintégration, c'est un clic. En version 2024, l'intelligence artificielle arrive dans votre éditeur de code. Et c'est un bon début. On poursuit avec un sujet très important. On va parler RGPD avec l'anonymisation automatique des données personnelles. Tiens, vous avez vu l'actualité il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un vol de données dans une entreprise ou une administration. Un moyen de limiter ces fuites de données, c'est d'anonymiser les données personnelles. Et ce qui est remarquable, c'est qu'avec la version 2024 d'HFSQL, vous pouvez anonymiser de manière automatique. Alors le but de l'anonymisation, c'est quoi eh Bien, c'est que l'utilisateur d'une application qui n'aurait pas besoin de connaître votre nom, votre adresse ou votre numéro de téléphone. Eh il puisse utiliser l'application sans que ces données lui soient transmises. Pour protéger les données, il y a deux grandes techniques. L'anonymisation qui est irréversible, donc la donnée est altérée pour rendre impossible l'identification d'une personne. Et la pseudonymisation, qui peut permettre de retrouver la donnée par recoupement. Et la bonne nouvelle, c'est que le serveur HFSQL vous offre l'anonymisation dynamique automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est… D'indiquer quelles rubriques sont concernées, quel type d'anonymisation vous souhaitez et qui a le droit de voir les données en clair. Alors, les données sur le serveur, elles ne sont pas modifiées, mais les données que le serveur envoie respectent vos critères d'anonymisation. C'est ça de l'anonymisation dynamique. Allez, bah, je vous montre ce que ça donne dans une appli. Go Je me connecte en tant que manu. Alors, moi, je suis manager, j'ai tous les droits. J'accède à la liste des clients. Et vous le voyez, j'ai accès à toutes les données. Nom, prénom, adresse, téléphone. Je referme l'application. À moi, je fais go. Je me connecte en tant que carreau. Moi, je suis stagiaire et moi, je n'ai pas, pas le droit de voir les adresses postales de clients. Regardez, dans la liste des clients, les adresses sont masquées. Alors ce qui est important, c'est que ce qui est affiché là, en fait, c'est exactement ce qui est renvoyé par le serveur. Ce n'est pas l'affichage qui modifie les données. Allez, maintenant, je vous montre comment mettre en place l'anonymisation automatique. Je reviens dans l'environnement et voici l'analyse. Alors, le paramétrage de l'anonymisation se fait dans la description du fichier de données, de, de la table. Donc, par exemple, pour la table des adresses, j'ouvre sa description. Et à droite, vous le voyez, l'éditeur d'analyse propose un nouvel onglet Anonymisation. Pour chaque rubrique que je veux anonymiser, il me suffit de choisir ce qui sera renvoyé à la place de la valeur. Alors, ça peut être un texte aléatoire, comme les noms de rue dans notre exemple, une valeur fixe, comme les noms des villes dans notre exemple, un bruitage aléatoire quand il s'agit d'une rubrique numérique. Je peux également choisir de faire appel à une procédure stockée ou encore mettre en place un brouillage partiel, comme les emails dans notre exemple. Alors, dans le cas de la procédure stockée, vous pouvez mettre en place exactement le traitement dont vous avez besoin. Ça, c'est l'option à utiliser si vous voulez faire une pseudonymisation. Vous l'avez vu, c'est facile à mettre en place. Maintenant, comment vous faites pour choisir quelle rubrique anonymiser eh bien en fait, vous pouvez vous appuyer sur l'audit RGPD de Windev. Cet audit il se lance depuis le ruban dans le volet de l'analyse. Et là, il suffit de cliquer sur Audit RGPD. Un conseil important au niveau de la sécurité, n'oubliez pas d'activer le chiffrement renforcé des fichiers de données. Comme ça, même en cas de piratage de votre serveur, ou si on vous vole une sauvegarde, bah les données sont inexploitables. Pour activer le chiffrement, je vous le rappelle, c'est dans les propriétés du fichier de données, de la table. Clic droit, Description du fichier, dans l'onglet Détails, Protection des données, et vous choisissez de chiffrer le fichier, les index et les mémos et vous cochez également activer la sécurité renforcée. Et vous pouvez même choisir l'algo de chiffrement de cryptage à utiliser. Alors par défaut, c'est du RC5 sur 16 boucles. Vous pouvez encore renforcer la sécurité en optant pour un algo de chiffrement d'un niveau encore plus élevé, AES avec des clés jusqu'à 256 bits. Sauf si vous avez une contrainte forte de compatibilité avec un ancien système, n'utilisez plus les modes de cryptage sur 128 bits et RC5 12 boucles. Ces algorithmes de chiffrement sont dépréciés et donc fortement déconseillés. Autre truc et astuce, si vous voulez modifier plusieurs fichiers, ou même tous les fichiers de l'analyse, d'un coup, bah c'est facile, il suffit de faire une multi-sélection. Bien, maintenant qu'on a défini quelles rubriques doivent être anonymisées, se pose la question qui a le droit qui a le droit de voir ou pas les données en clair Parce qu'il faut savoir que par défaut, quand vous commencez à mettre en place l'anonymisation, eh personne n'a les droits, sauf le super utilisateur du serveur, parce que lui, il a tous les droits. Alors la définition des droits, ça se passe dans le centre de contrôle HFSQL. Ou bien entendu, par programmation. Tout ce qu'on vous montre, vous pouvez aussi le faire en w langage. Allez, je lance le centre de contrôle. Je me connecte au serveur HFSQL. Alors pour autoriser un utilisateur à lire les données anonymisées, ça se fait soit rubrique par rubrique, soit dans les droits de la table, pour toutes les rubriques, toutes les colonnes de la table, soit dans les droits de la base pour toutes les colonnes de toutes les tables. Je vous montre par exemple sur le fichier adresse. On veut que les membres du groupe Expédition puissent lire toutes les rubriques de, de ce fichier. Donc pour ça, j'ouvre le fichier dans le centre de contrôle. Je clique sur gestion des droits. Je sélectionne le groupe expédition et je choisis autoriser pour le droit droit de désanonymiser une rubrique. Et quand vous voulez donner les droits sur une rubrique spécifique, eh bien c'est ici dans l'onglet description du fichier. Alors tout à droite de la table, il y a une petite icône cadenas, je clique dessus et là j'accède aux droits pour cette rubrique uniquement. Vous l'avez vu, l'anonymisation automatique de HFSQL, c'est facile à mettre en place. Quelques clics et c'est prêt. C'est sécurisé. Comme tout est automatiquement géré par le serveur HFSQL, il ben, n'y a pas de risque d'erreur. C'est flexible. Vous rendez les données accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin. Et c'est compatible. Il n'y a pas besoin de modifier les applications ou les sites pour en bénéficier. RGPD, vol de données. Usurpation d'identité, autant de raisons de mettre en place l'anonymisation automatique dans vos applications, vos sites et vos applis mobiles. Et en plus, c'est facile. Et voilà, ce premier workshop est déjà fini, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain même heure, 14h heure de Paris, heure de Paris pour la deuxième partie. On a encore plein de sujets pour vous épater sur WinDev, WebDev et WinDev Mobile. A demain À demain À demain, 14h